Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo de Miam Miam du soir et dernière vidéo de ce week-end. Comment allez-vous? J'espère que tout le monde va bien. Là, je suis en train de faire mes tennis, parce qu'il n'y a pas très longtemps qu'on vient de rentrer là. Comme je vous ai dit, hein, on a été à la fête de l'eau. Il y avait du monde. Il y avait du monde à la brocante, il y avait du monde sur les jeux. Il y avait beaucoup d'enfants, mais c'était bien, c'est pas mal. À part, on voulait manger des moules frites, mais quand par hasard, le gars qui tenait le stand, le saucisse, il n'y avait pas prévu autant de moules et des frites, du coup, ils n'avaient plus rien à manger, il n'y avait que la boisson. Donc dégoûté, quoi, vraiment dégoûté, dégoûté, dégoûté. Moi qui voulais manger des moules frites, voilà. Un petit peu déçu, mais bon. Alors qu'il y a 2 ans en arrière, c'était toute l'après-midi, ils avaient prévu tout ça et il n'y avait pas de soucis, mais là, je sais pas. Mais comme peut-être du fait aussi, comme pendant 2 ans, on est resté bloqué à la maison à cause du Covid, là, les gens, ils sont. Ils sont tous sortis pour être partis. C'était archi blindé. On a croisé des gens qu'on connaissait et ils nous ont dit qu'ils étaient blindés de chez blindé. Sinon, ça a été. Sinon, on a trouvé. Bon, on n'a pratiquement rien acheté, juste deux belles petites assiettes comme ça, à la brocante. Donc, dites-nous qu'est-ce que vous en pensez, si vous aimez bien ou pas. Voilà. En tout cas, ça a craqué Cécile. Cécile, elle a bien aimé. Pourtant, c'est pas trop son style d'assiette. Mais je sais pas, là, cette fois, je sais pas, là, elle a craqué. Peut-être parce que la fleur, ça ressemble un peu à une tulipe. Et comme c'est la couleur bleue. Donc, voilà. Là, 50 centimes l'assiette. Donc, on a pris deux, comme on est deux. Hein. Sinon, il y avait une série de 7 ou 8. Mais on n'a pris que deux. Donc voilà, donc moi je vais faire mes œufs. Ah, d'ailleurs, il faut que j'enlève ça, sinon ça va cramer. Par contre, je sais pas. Je sais pas si faut le poulet. Il faut que je sorte mes œufs là. Et 3 œufs. 1, 2, 3. Il y a eu un œuf en plus, je l'ai pris. Hop, attention de pas. Qu'est-ce que je peux mettre avec? Ah ouais, c'est vrai, j'ai plus de chorizo, donc là c'est nickel. Je vais mettre un petit peu de tomate dedans. J'ai le yoke. Un peu de tomate, un peu de salami. Un peu de tomate, un peu de salami, je vais mettre dedans. Tomate, salami, je vais les couper en petit machin. Toc, toc, toc. Je vais vous imaginer. Je vais allumer là. Je vais vous allumer là, c'est mieux pour moi. Comme ça, je vois mieux. Je vois mieux. Par contre, je vais être obligé de vous débrancher là, ça me saoule un petit peu. En plus, par là, je vais rebrancher après. Ah, oup, voilà. Je vous rebrancherai après. Hop. Voilà. Je puisse faire mes petits œufs. Voilà. Voilà, faire comme les œufs. Si, hein. Oh, Seigneur. Toucher ma bosse, mon Seigneur. Hop.
Voilà. J'espère que ça va mieux là. Voilà. Donc, je fais mes petits œufs. Là, je vais ouvrir un petit peu. Mes œufs sont plats. J'ai pas pensé à reprendre des œufs. Ah, oh merde, j'ai cassé celui-là. J'ai appuyé dessus comme un con. Hop, le poulet. Couteau. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Voilà. Alors, un petit peu de schmilblick. Alors, j'espère que vous avez passé un bon petit week-end. J'espère que ça a été. Bah, nous, à part ça a été, hein, on a passé un bon samedi, un très très bon dimanche. Je vous ai fait plein de vidéos pour le week-end là. Du persil, du schmilblick comme ça. Vous avez 3 vidéos. 3 vidéos, deux de la brocante. Non, un de la brocante, un sur une petite balade sur les bords de Marne, sur côté Lick-Fadac. Et je vous ai fait la dernière. Oh, il y a une coquille, merde. Heureusement, je viens de le voir là. Et le projet que je vous ai fait, c'est je vous ai filmé un groupe de fugue. Moi, je croyais que c'était des mecs qui chantaient. En fin de compte, non, c'était que c'est que des gonzesses. Petit fils, un groupe de filles, mais c'est pas mal, c'était, voilà, c'est un genre musique un peu, bon, ils sont pas très restés longtemps, j'ai resté quoi, une heure et demie, ça va, en plus, ça va très très vite, une heure et demie, ça va, ils ont chanté des bonnes chansons, ça va, ça a été, ah, je peux pas faire ça, couteau de merde, hein. Ça, c'est les petites tomates que je mets. Faut éviter que ça crame bien sûr aussi. Hop. Non, ouais, j'ai passé une bonne. Enfin, on a passé une très très bonne après-midi. Ça nous a fait du bien. Surtout, ça nous a changé un peu. Voir du monde, voir des nos amis, des petits voisins. Ça a été. Non, les abonnés, ils regardent tout, hein. Quoi? T'as lancé les étiquettes des verbes à la fenêtre. Hein? Hier. Yeah. De quoi? Il y a une abonnée qui a marqué je rêve ou quoi? T'as lancé les étiquettes des verbes par la fenêtre, elle a marqué. Les étiquettes des verbes par la fenêtre? Oui. Je sais pas, j'ai pas fait attention. Celle-là, regarde tout. Pourquoi? Parce qu'elle a marqué en commentaire. Ah bon? Alors là, on en sait rien. C'est encore l'autre là. Peut-être, ouais, j'ai peut-être fait ça machinalement, peut-être, j'en sais rien, franchement, j'ai pas fait attention. J'ai dû faire ça machinalement, peut-être. Ouais, tu sais, j'avais enlevé les étiquettes et des verres en dessous. Après, ouais, peut-être, j'ai dû le faire, j'en sais rien, franchement, je me rappelle plus du tout.
Je m'en souviens pas. Après, c'est des petites étiquettes, quoi. Voilà. Après, entre jeter un sac poubelle plein d'ordures par la fenêtre et puis jeter deux, trois petites étiquettes sans faire attention. Là, c'est pas trop méchant non plus, quoi. Ah, c'est dingue comment les gens ils ont les yeux fixés sur les vidéos. Ils te regardent ça à la loupe, c'est incroyable. C'est incroyable. Ah, faut pas tuer une maîtresse parce que putain, tu te fais griller direct. Non mais parfois elle a dit tuer parce que. Parce qu'elle a marqué, il faut attention, elle dit, Didi, il faut continuer comme ça, tu vas y passer, mais attention, elle a marqué. Et pourquoi t'as pas été chez le médecin vendredi vu que tu travaillais pas à la marque? Déjà, c'est pas vendredi déjà. C'est pas vendredi, c'est mardi déjà. Depuis mardi, j'avais pas les sous. J'avais pas de sous mardi, donc je suis pas d'aller au médecin. Je savais pas tout, tu rien. Et puis j'avais autre chose à faire qu'aller chez le médecin. Ah bon? Bah oui, le plus important c'est mon truc à moi. Donc je vais mettre maintenant du poulet. Oh! Je me fais mon truc à moi là. Arrête de bouffer mon salami. Mais je t'en ai pris deux. Bah oui, j'ai vu que ça avait diminué, je l'ai planté hier. Mais t'es sérieuse? Oui. J'ai ouvert le chauffe-souris qui faisait chaud dans la cuisine. Hop, je me fais des petits poulets. Tu laisses un morceau de poulet pour moi? Mais il y en a plein! Intérêt. T'es sérieuse là? Oui. Ça, c'est mon nouveau mot, ça. T'es sérieuse là? C'est comme les jeunes. T'es sérieux là? Ah, c'est en train de me cramer les poils du bras là. Oui, pas toi, ça c'est sûr. T'as pas de poils au bras. Le jour où t'auras des poils au bras, c'est que tu serais transformé en portugaise. Encore souvent, les Portugaises, ils ont pas tellement de poils. Hein. C'est un truc, on dit toujours ça. Mais ils ont pas forcément des poils. Hein. Ah si, Sandrine a des poils, lui, par contre. Elle a des poils au bras, Sandrine. C'est bizarre, quand même. Hein. Je pense que les femmes portugaises font pas attention dans les poils qui poussent. Bon, bien sûr, c'est pas méchant ce que je dis, hein, je rigole. Hein. Il y a rien de méchanceté. Hein. Je ne critique pas les portugaises, attention. Mais on dit toujours que les portugaises, voilà, ils sont poilus, on dit toujours ça. Bon.
Bon, c'est pas un boulgui boulga, hein, c'est que voilà, j'aime bien les œufs. J'aime bien les œufs avec des morceaux de poulet dedans. Donc c'est pas genre ouais, t'as vu la cuisine, c'est de la merde, nanana. De toute façon, c'est pas dégueulasse, c'est que des bons produits, hein. Ah, c'est tout simplement, il y en a, ils aiment bien mélanger les produits, d'autres pas. Moi, j'aime bien mélanger. Enfin, ça, après, ça dépend. C'est vraiment ce que j'aime. Utiliser la vidéo que t'avais mis, j'ai fini. On a déjà fini? Non, elle est en vérification, mais je l'ai monétisé. Voilà, ça me suffit. Hop! Voilà, donc ça c'est fait. Comme ça, hop, il est fait mon truc. On va mettre tout couvercle. Hop, le poulet, on va le mettre là. C'est après, c'est je sais pas quoi. Donc je vous remets à la place. Je vous remets à la place. Hop, comme ça, je vais remettre le. Ce soir, là, c'est la suite de la série. Oui. Il y a dîner de con, ça. Oh non, on l'a déjà vu. On a vu, archi revu, triplement revu. Putain, chaque fois, je me gourre. Voilà. Bon, t'enlèves tous tes trucs là? Bah, je me mets où je peux me mettre nulle part. Bah, je sais pas, tu te débrouilles. Là, j'ai même du poulet jusqu'à là. Je dis pas. Hein. Quoi? C'est collé partout. Ouais. Bah, c'est ça que t'en cuisines. Hein. C'est ça la vieille. Hein. Ouais, comme t'as fait ce matin, me postillonner sur partout. Ah, c'est ça ce matin, je m'en rappelais plus. De quoi? Je t'ai pas poustillonné. Ce matin, c'est simple, de toute façon, j'ai fait que des conneries. Je t'ai pas poustillonné. Le meuf. Tu n'as rien dans les Quand je mains. lui mette ça, le truc de. Le miam miam de. Chinois là. Tu n'as rien dans les mains, tout tombé. Et en plus, Guillaume, il m'a poustillonné dans la figure ce matin. Vas-y, c'est pas. J'ai pas le sida. Hein. Il me parle et pouf, pouf, j'ai reçu au moins 50 missiles dans la tronche. Ouais, mais je l'ai pas fait exprès. Non, mais toi, t'étais mort de rire aussi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas pleurer. Je dis, passe-moi un truc pour m'essuyer. Non, lui, rigolait. Bien sûr que je rigole, c'est marrant. C'est trop marrant. Oh bah oui, la tronche pleine de postillons. Mais c'est rien, ça fait du bien pour la peau. Non, un truc, il avait plus dans la maison. Tu veux un peu de ça ou pas? Ben, c'est mes Pour pantalons. finir. Pour finir. Moi, tu veux pour demain? Ah non, non, garde pour demain. J'ai ma salade là. J'ai ma salade de fruits plus le poulet. Poulet avec le coupé en morceaux. En morceaux. Couper des petits morceaux là. Donc voilà. Oh! Mon bibi, tu veux quoi, mon crush? Si tu veux le chien encore là? Tu veux un petit peu de poulet? Non! Tu veux un petit peu de poulet? Non, il va être gros encore. Oui, tu veux du poulet, oui. En fait, ils ont mangé le poulet d'hier? Oui, ils ont tout mangé. C'est bien. C'est bien, papa, il est content. Si t'as tout mangé, c'est bien, mon cœur. Avec ma mousse. Bah ouais, parce que moi je vous ai pas donné du poulet pour ça par la poubelle. Hein. Moi je vous marave. Hein. Pourquoi je te coupe en petits morceaux? J'ai l'impression que t'es un bébé. Hop, petit morceau. Voilà. Voilà, ça c'est un bon poulet. Parce que comme ça au moins on peut le manger en 2 jours.
Donc je vous mets des petites trucs de short aussi là de musique. C'est celui que j'avais mis, bah, il me plaisait pas franchement et ça me plaisait pas du tout. C'est pour ça que je l'ai en la vidéo, je l'ai enlevé. Donc désolé pour les commentaires, pour les personnes qui ont mis des gentils commentaires. Donc désolé, je l'ai préféré l'enlever. D'habitude, ça ne me fait pas ça quand je les mets, les musiques, pas. Le TikTok. Mais là, je sais pas, j'ai vu que c'était de la merde et c'était mal fait, on n'entendait presque pas. Il y avait pas mal de dédoublements. Même sur mes vidéos, c'est vrai, j'ai remarqué, il y a des dédoublements de voix. Donc je sais pas, je me demande si c'est pas à cause du temps ou c'est peut-être le truc de YouTube qui fait ça ou j'en sais rien ou mon truc de d'internet, je sais pas. Je vois, ouais, j'ai vu qu'il y avait pas mal de dédoublements. Donc ça, moi, j'y suis pour rien. Ça, c'est pas moi, franchement. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Je sais pas pourquoi ça fait ça. D'habitude, ça me le fait pas. Donc voilà, comme pour ça, je vous ai dit, c'est pour ça que je fais des shorts de musique, de mes TikTok, pour vous montrer bah, ce que je fais pendant mes moments perdus, ainsi que les petits montages que je fais. Bon, c'est pas facile, hein, franchement, chanter comme ça, sans. De toute façon, j'ai une mauvaise voix, donc voilà, je pourrais pas chanter des belles chansons. Déjà, je sais pas trop chanter, à part vraiment les chansons que j'aime bien et je connais. Mais bon, faire imitation de chansons, c'est pas si facile que ça. Mais t'en as sur TikTok, ils chantent pas du tout. Hein. On voit juste les lèvres un petit peu bouger, mais c'est tout. Hein. Mais t'en as, ils chantent super bien. Bon, ils chantent vraiment comme si c'était le vrai chanteur qui chantait. Mais j'aime bien, voilà. Ça change. Sûrement en faisant des shorts, comme ça, voilà, comme ça, déjà la musique, elle est 100 fois mieux. On peut mieux l'écouter, on peut mieux l'entendre. On entend mieux le chanteur. Bon, moi, vous m'entendez pas parce que je suis en a cappella, c'est ça? Enfin, je chante vraiment sans vraiment chanter, quoi. Ça se voit comme ça? Va donner un petit peu au chat. Hein? Maouch, tu veux? Ça, par contre, ça, la peau, c'est pour moi, parce que moi, j'adore la peau. La peau, c'est pour ma gueule, les chats. Papa va vous donner un petit peu de poulet. Hein? Papa va donner un petit peu de poulet. Parce que c'est le week-end, hein, c'est normal. Hein. Sinon, hein, on n'a pas le droit. Hein, parce que ça coûte cher le poulet. Hein. Vais me donner la cuisse. À mon cœur. C'est de bien racler. Ouais, je ne savais pas c'était comme ça les trucs de short, je pensais que c'était autre chose. C'est vrai, mais en faisant les trucs comme ça de musique, ouais, on peut faire, parce que ça me les met directement au truc de short. Après, même si c'est pas. Même si j'en prends. YouTube ne prend pas compte parce que voilà, c'est à cause des droits d'auteur, mais bon. Ah, c'est pas trop grave, c'est pas des vidéos qui durent 3 heures, 4 heures, 6 heures, 7 heures, voilà. C'est vraiment des tout petits trucs quoi. Donc voilà, c'est pas trop grave. Bah, déjà le son est 100 fois mieux que sur la vidéo que j'ai fait. Hein. Après,
Après, c'est à vous de mettre de gentils commentaires sur les vidéos. Hein. J'ai vu qu'il y avait. Vous aviez mis des gentils commentaires. Après, c'est soit on aime ou on n'aime pas. Hein. Mais bon, logiquement, tout le monde adore la musique. Hein. Tout le monde aime bien les chansons. Donc voilà, je te fais un petit coucou, un petit gentiment. Un petit truc gentil. Ça fait toujours pas, ça fait toujours plaisir. Même sur TikTok, hein, faut pas croire, j'ai pas grand monde en commentaire. Hein. C'est parce que là, je suis augmenté, je suis à 1006, presque 1007 d'abonnés. Sur TikTok, je sais pas. Puis après, s'il y a 1700 d'abonnés, c'est pas mal. Hein. Mais c'est pareil, ça a mis du temps. Hein. Ça a mis plus d'un an pour que j'ai 1700. Et encore, je fais attention de ne pas prendre les gens qui font pas du tout de vidéos. Et ça, faut faire hyper attention à ça. C'est pour ça que t'en as, ils ont des 2000, 3000, 4000, 20000. C'est normal parce que les gens, ils prennent tout, ils prennent tout le monde. C'est sûr, moi aussi, si je prends tout le monde, je monte à des 3000, 4000, 6000, hein, c'est normal. Hein. Mais moi, je fais attention à ce que je prends. Déjà, tous ceux qui n'ont pas de photos, je prends pas. Tous ceux qui ont des noms un peu bizarres, je prends pas. Les personnes qui font pas du tout de vidéo, qui n'ont aucune vidéo sur leur truc, je prends pas. On ne sait pas qui c'est, ça peut être des gamins, ça peut être des magouilleurs, on ne sait pas, on n'en sait rien. Ou des gens qui veulent prendre ton compte. Blanco, tu fais quoi sur la table? Allez, Blanco, non. Viens là-bas. Papa va donner là-bas. Viens ici. Blanco, descends. Descends là. Voilà. Allez. Allez, bébé, viens. Viens, mon cœur. Ouais, je sais que tu aimes bien manger dans la salle à manger, toi. Allez, viens. Maous. Voilà, mon bébé. Beau petit poulet. Ouais, comme je vous dis, il faut faire hyper attention à ça. Après, je sais pas. Je sais pas qui c'est qui. Ça me fait chier ce truc là, au plein milieu là, ça faisait pas au début. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais t'es sérieux, hein, Blanco là? Il ira après. Mais Maous, après, il va tout manger. Bah, du coup, moi, je vais manger. Ouais, franchement, moi, je sais pas quoi manger hein, demain. Ça me saoule. Hein. Je crois que je vais finir le poulet, là. Parce que quand on va en course, tu ne prends rien pour que tu puisses faire tes plats. Ou te prendre des plats, t'en prends pas. Je pensais qu'il y avait des plats, mais c'est vrai, on a tout baité, on n'a plus rien. Oui, tu manges trop. On mange trop, ta soeur, franchement. C'est une chanson, ça. Il y a une chanson comme ça. Coucou, je mange trop. Ta da ta ta ta, je mange trop. Ta di ta ta ta, je mange trop. Tant pis, c'est pas grave, je vais carrément finir le poulet. Par contre, faut pas que j'oublie mon paquet de chips. Ah oui, je devais vous faire un vlog. Ah bah on verra ça demain. Je voulais vous faire un petit vlog. Oh là, il y a la noce. Tiens, prends ton plat là. Attends, je mets la main à mon pied.
Hop, comme ça, voilà. Hop, je vais prendre quelques petites tomates, je vais les couper dedans. Comme ça, ça me fera un petit truc. Ah ouais, on voulait manger un genre de petit restaurant là-bas au niveau des de la brocante. Laisse tomber, on n'a rien compris, on ne savait pas comment commander, on était vraiment perdus. Et le mec, au lieu de nous aider, quoi que ce soit, il voyait qu'on était perdus, au lieu de nous aider, non, il continue à discuter avec les meufs et tout. Et hop. C'est ça, elle m'a dit, et hop, on se barre, on s'en va, du coup on est parti. L'autre nous a presque même pas calculé, le mec. Tu parles d'un restaurant, toi? Bon, c'était pas des trucs énormes, voilà, c'est des sandwichs, des conneries comme ça. Mais il nous a même pas calculé. Lui. Alors ça, pour discuter avec les gonzesses, ça, il n'y avait pas de problème. Un 80 dans la restauration, tu respectes la clientèle, tu demandes qu'est-ce qu'ils veulent, tu laisses tomber la conversation avec, avec les meufs et tu t'occupes de la clientèle. Tu fais pas comme si tu les as pas vus. Après, si tu veux, tu peux te permettre de rediscuter avec les gonzesses. Incroyable de voir ça. Du coup, on a été un petit peu plus loin, on s'est pris deux petites barquettes de frites, deux boissons, deux petites bouteilles d'eau. Il n'y avait pas de coca, il n'y avait pas de jus d'orange, il n'y avait pas de Fanta, il n'y avait rien, le mec, à part les bières, voilà. Les bières, la Saint-Pé, les Grinots, voilà, c'est tout ce qu'il avait. Et par contre, un petit peu cher, hein, j'ai dit une fois, mais bon, j'y retourne pas. Franchement, un burger, bon, d'accord, le burger il était bon. Ça, je pourrais, on va pas dire qu'il était dégueulasse, il était super bon. La viande bien saignante, comme j'aime. La viande saignante, en plus, la viande, le steak épais comme ça. Franchement, je me suis régalé. Ça, y a pas de problème. Mais au niveau du prix, laisse tomber. 13,50 € le burger maison avec des frites. C'est un peu chéro. En plus, pas de sauce. Non, dégoûté, quoi. Moi qui adore les sauces, oh, laisse tomber la neige. Mais sinon, ça va. Malgré tout, malgré qu'il n'y ait pas de sauce et malgré que c'était un petit peu cher, voilà, le principal, c'est que je me suis régalé, quoi. C'est le principal. Et même les frites, elles étaient pas mauvaises, franchement. Il n'y avait pas de goût d'huileux, d'huile, ni quoi que ce soit. Franchement, très très bien. Je vais lui piquer un petit peu son truc. Elle va gueuler, mais c'est pas grave. Je peux pas le dire. Ah, faut que je trouve une cuillère, vite fait. L'autre qui est toujours à sa fenêtre, là. Voilà, faut pas le dire, je vais en piquer un peu. Ah, pas trop, tu vas percevoir, j'ai tout pris. Voilà. Hop. Petite tomate. Je crois que j'ai plus de gruyère en plus. Ah oui, mais c'est peut-être le gruyère, j'ai plus. Ah, j'ai complètement oublié le gruyère. J'ai zappé le gruyère. J'ai zappé le gruyère. Le gruyère. Le gruyère hier, j'ai zappé. Bon, bah tant pis. Bah, je vais mettre un petit peu de salami dedans. Je vais mettre un petit peu de salami.
Ouais, ça fera un petit truc sympa à manger demain midi. Ça va changer un peu. Hop, hop. Sac. Pas j'oublie mon paquet de chips surtout. Surtout, faut pas j'oublie les chips. Je vous ai dit qu'elle allait râler. Elle a gueulé la mienne. Comment elle a rangé le paquet. Ah, trop fort. Ah, Guigui, t'es trop fort. T'es le meilleur au monde. Ni vu ni connu. Tiens, tu peux y aller, il y a le téléphone qui sonne devant. Oui, je peux y aller. J'y vais. Elle a embarqué les trucs. Elle a embarqué les trucs, la vieille. Ah, ça me pique une gratte. Top. Qui bébé, fais son coucou. Ikea. Oh, on a regardé, on se regarde en ce moment une série avec c'est qui l'acteur hein? Kevin Costner. Elle est géniale. Franchement, la série est géniale. C'est un peu comme Dallas, mais voilà, c'est super bien. Franchement, c'est un peu marron, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'amour, beaucoup de suspense. J'arrive pas à le dire le nom. Yellowstone. Quoi? Yellowstone. Ah, Leo. Yellow. Yellow, voilà, Yellowstone. Il était sur la chaîne Salto. C'était sur Salto avant. Voilà, c'est Salto, et puis là, la chaîne TMC, ils ont pris la série. Mais il dure longtemps en plus, hein, le truc. Oui, mais c'est en replay sur TF1. Ah, et puis c'est en replay, c'est ça dit, c'est en replay sur TF1. Oui, mais il passe aussi sur TF1. Ça sort sur TF1 tous les jeudis. En fait. Ouais, ça sort tous les jeudis sur TF1 en ce moment. Donc, comme du fait, on a loupé le premier et le deuxième épisode, donc là, on le regarde sur en replay sur TF1. Bon, c'est style un peu, voilà, c'est un genre de film de cow-boy un peu à la moderne, quoi. Avec, bon, il n'y a pas que des chevaux et des indiens, voilà, il y a des trucs un peu politiques, machin, pour celui qui va vouloir construire des maisons sur des terrains là où les indiens y vivent, vous voyez, des trucs comme ça, quoi. Et moi j'aime bien ce genre de petite série comme ça, c'est pas mal. J'aime bien. Parce qu'il y a du suspense, il y a de l'action et tout, j'aime bien. C'est pas mal. Déjà j'avais vu des extraits déjà quand il était passé sur ce Salto. J'avais vu des extraits, j'ai même dit à ses yeux, j'ai dit tiens ça, ça a l'air d'être pas mal. Ça a l'air d'être pas mal. Et puis en fin de compte, on a commencé à regarder le premier. Premier épisode hier soir. Et on a. Franchement, on a très 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 bien aimé. Du coup, on va regarder le deuxième épisode ce soir. Donc voilà. Voilà ma petite gamelle. Donc, je vais mettre du piche-piche. C'était ma bouteille d'eau. Mais non! Si, l'étiquette, c'était la mienne. Mais elle est où la mienne? T'as tout bu. Oh merde! Allez, j'en ai marre, hein, manche. Tout ça, la mine, bois mon eau, bois tout. Mais j'ai pas pu ce bébé. Si, si. Mais.
Non, oh non, bah oui, c'est vrai. Bah, c'est qui que j'avais rangé? J'avais sorti ma bouteille d'eau. C'est qui l'a rangée? Ah, cette sauce-là, c'est une tuerie. Sa sauce au cocktail, on achète ça. On achète ça dans les magasins, bien sûr. On n'achète pas ça dans un sex shop, hein, bien sûr. C'est super bon. Elle est super bonne comme sauce. Un petit peu de sauce pimentée, voilà, pas trop non plus. Hop, on va les mélanger. Voilà, ça va faire un bon petit plat. Voilà, poulet, tomate, salami. J'aurais eu du chorizo, le chorizo il aurait été encore bon, j'aurais pris du chorizo. Voilà, ça a du des chips. Faut pas j'oublie le paquet de chips, je vais mettre dans mon sac là. Voilà, pas trop de sauce non plus, faut pas ça nage non plus. Non, ça sera pas bon. Voilà, en plus, voilà, c'est frais. C'est tout frais, c'est maison. Voilà, c'est pas un truc que j'ai acheté au marché, j'ai fait moi-même. Voilà. Hop. Voilà, c'est fait. Donc ça, au salon. Hop, le couvercle. Là. Le saucisson est énorme. Le couvercle, le petit couvercle, il est là. Non, c'est pas celui-là, comme par hasard. Comme par hasard, c'est pas celui-là. Où est-ce qu'il est, lui? J'ai trouvé, c'était mon le fouet. Le fouet. Je cherche le fouet. Mais non, le couvercle. Il n'y a que de la peau dans celle-là. Monsieur, c'est à moi, ça, c'est ton assiette. Tu as montré une assiette qu'on avait achetée. Oui, j'ai montré aux abonnés. Ils ont dit quoi? Que c'était, ils étaient super géniaux, super belles. Ils voulaient qu'ils en voulaient aussi ils pareil. Ont vraiment répondu, donc. Il voulait exactement la même. Ça, il n'y a plus rien là-dedans. Mais c'est mon plat, t'as pas jeté mon plat de ce soir, non? Ah, c'est pour ce soir. Toi, tu manges, toi, hein? Oui. Voilà, moi aussi. Failli jeter mon plat. Fatigué. Elle est fatiguée, là. Elle fait que des conneries depuis ce matin. Connerie de sur connerie. Des 10 000 pieds par terre, ça y est. Ah ouais, laisse tomber la neige. Connerie sur connerie. D'habitude, c'est moi, mais là. Toujours comme ça. Hein. Tu te lèves et tu fais que des conneries. Donc, ouais, mon paquet de chips. Faut pas j'oublier mon paquet de chips. Je vais prendre lequel? Déjà, faut que je termine celui-là, là, pour ce soir. Oh, je vais prendre le ketchup. Prendre mon ketchup, là. Je vais mettre dans mon sac. Faut que je sais, je le prends. C'est toujours celui-là que je prends pour ma bouffe. Comme ça, moi, hop. Comme ça, j'aurai mon paquet de chips et comme ça, je vais pas oublier. Voilà. Et le petit blanc, c'est pour mon thermos. Putain, déjà 22 h. C'est incroyable, ça commence à passer vite. C'est phénoménal. Phénoménal. C'est incroyable, mais vrai.
Donc ça, au frigo. Voilà, avec mon sandwich pour demain matin. Ma canette, le sandwich, la bouffe, le petit yaourt qui va bien. Voilà. Voilà, tout est prêt pour demain matin. Là, j'ai préparé mon assiette. J'ai pas encore, j'ai préparé l'assiette de la vieille, mais pas la mienne. Chocolat! Sérieux, j'ai déjà froid. Oui. C'est déjà froid. Nyeon. Voilà. Hop. Oh, je vais faire réchauffer un petit peu au micro-ondes. Mais la cloche au-dessus. Quelle cloche? Pour pas que ça éclabousse partout. Ah! Ça fait deux fois de suite que je dois le faire un micro-ondes. Et je te paye pour ça, non? Je te paye. Quand il fera un micro-ondes, il remet les boulets derrière et éclaboussé partout. Ouais, c'est encore tout rouge, c'est encore pire qu'avant. Ouais, non, c'est bon. Ah, c'est encore pire qu'avant, le bordel. Ah ouais, j'y pense pas le... J'y pense pas le mettre le couvercle. En plus, on en a deux, ils sont tout neufs. Et pourtant, avant, j'y pensais tout le temps, mais après, vrai, depuis quelques temps, j'y pense plus. Je mets ça dans le truc et hop, je dirais, ça ira très bien. Fait plus chier. Et hop, vite fait, bien fait. Bon, bah voilà. Voilà le miam miam du soir hein, encore. Hop, ça en ferme, ça en éteint. Ça, c'est pas sale, juste à rincer un coup d'eau. Voilà, c'est pas sale. On va prendre nos nouveaux verres, tout beau. Voilà, avec les nouvelles assiettes. Ah, ça a bien donné. Ça va, ouais, ça sort bien. Voilà. Nouveau verre, je sais pas si vous voyez, nouveau verre avec l'assiette bleue. Ça sort super bien. C'est génial. Ah, ça a pété. Ça pite à nouche. Et encore ça pite à nouche une deuxième fois. Allez, une troisième. T'as même pas mis la table. Bon, bah voilà mes amis, sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Donc si vous avez aimé cette petite vidéo de miam miam et de blabla, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et de vous abonner. Je vous fais de gros bisous. Puis on se dit à demain peut-être pour une petite vidéo de miam miam aussi. Allez, ciao ciao, bisous à vous tous. Donc je vous dis Kenavo, je vous dis Abinadzen et je vous fais des gros bisous. J'avais oublié ça.